Un peu d'humour, ça te fait pas de mal par les temps qui courent. Jamel Debbouze est de retour sur scène. Maintenant ou Jamel, titre du nouveau spectacle qu'il jouera en tournée à partir de vendredi. Il sera d'ailleurs à la Cigale à Paris en décembre. Mais hier soir, il avait choisi de roder ce spectacle dans une toute petite salle à Vernouillet, près de Dreux en Eure-et-Loire. Diane Chénouda s'est glissée dans le public comme une petite souris. Interdiction d'enregistrer quoi que ce soit, mais elle est sortie emballée. Il arrive en bondissant. Jamel Debbouze est heureux comme un gosse de revenir sur scène. 6 ans, c'est trop long, dit-il. Et il improvise, joue avec la salle, avec toujours la même aisance. Puis il étrille Trump, Le Pen, le racisme. Il en tire une fable sur le fossé entre les Arabes et les Français, la belette et la grenouille, et demande au public d'écrire la morale de l'histoire. Jamel Debbouze est drôle et touchant quand il parle de ses joies de père. Ses deux enfants le font penser à sa jeunesse. Sauf que lui passait ses vacances au bled. Obsédé par sa double culture, il est irrésistible quand il évoque sa mère et son père. Le public aussi est content de le retrouver. L'improvisation était super, c'était génial. Ça fait du bien de le revoir sur scène. Et il est toujours aussi drôle. On est fans depuis toujours, donc c'est énorme de le voir là, c'est énorme. Et de le voir rôder, de le voir rebondir... Cette étape, on a l'impression de le connaître depuis toujours. Et puis il est plein de vie. Un Jamel en pleine forme, oui. Sa tournée s'annonce prometteuse. Diane Chénouda.